Hi, the Rhone Valley Vineyards have been recognised as AOC since 1937 as they offer a rich variety of region, soil and climate. Over 95 villages are included in the appellation Côte du Rhône Village, but only 18 of these villages are allowed to put their name on the labels. Of these villages, 4 are in the Gard, 4 in the Drôme and 10 in the Vaucluse, like here in Siguré. After the winding streets of Siguré, we're now in another village of the Vaucluse called Quéran. Here too, the wine producers are entitled to write the name of the village on their labels. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, on est dans le Vaucluse, dans une appellation Côte du Rhône Village. Qu'est-ce que ça a de particulier? Les Côtes du Rhône Village sont des appellations qui vont être démarquées par le fait que certaines parcelles seront plus qualitatives que d'autres. Donc on va situer les coteaux, on va situer des plants dans lesquels il y aura des pierres, des cailloux qui vont donner de la chaleur aux raisins. On va obtenir des vins avec de la profondeur épicée. Il y a toujours de l'élégance, de la finesse. Tout cela fait que Quéran se démarque par cette particularité. We've now crossed over the Rhône and are on the other side in the département of the Gard. The village of Laudun is one of the 4 Côtes du Rhône villages and has been home to vineyards for over 2,000 years. Alors Gilles, où est-ce qu'on est exactement ici? Ici, nous nous situons au château de Gicon, qui est la propriété des vignerons de Chusclan et Laudun. Alors Chusclan, ça fait partie des appellations Côte du Rhône Village. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, celle-ci? Une des particularités des vins de Chusclan, c'est d'être très fruité, avec des tanins très mûrs, très ronds. Et donc la particularité, c'est d'être des vins qui sont plutôt à consommer dans leur jeunesse sur le fruit. Autour de Chusclan, il y a différentes activités pour aider à découvrir ces vignobles. Une des activités, c'est donc le sentier viticole qui s'intitule la vigne d'essence, qui reprend les étapes de la dégustation, c'est-à-dire la vue, l'odorat et le goût. Mais vous avez également la même chose sur Laudun, avec le sentier qui s'intitule la vigne dans le temps, qui reprend la culture de la vigne et la production de vin du temps des Romains jusqu'à aujourd'hui. We've come to the end of our little tour of the villages. Obviously, we didn't get a chance to see, to taste or explore everything. So now, it's up to you.